Hello tout le monde, on se retrouve pour un petit haul AliExpress. Il est assez rapproché, je crois, du dernier que j'ai fait. Mais je sais pas, ces derniers temps, j'ai reçu pas mal de choses. J'ai commandé pas mal de choses aussi. Mais bon, ce qui fait que j'ai de quoi vous montrer. Je voulais également dire, parce que je pense qu'il y en a qui oublient, je sais que j'ai pris du retard pour la mise en place des liens, etc., des produits. Mais je crois qu'il y en a qui viennent me dire c'est dommage, tu mets pas le lien, etc., etc. Je ne pensais pas qu'il fallait que je le répète à chaque fois, mais les liens, je les mets sur ma page Facebook. C'est beaucoup plus simple, vous avez une photo avec, etc. Je ne m'amuse pas à faire une barre d'informations incroyable, incroyablement longue, pardon, non plus. Donc, quoi qu'il en soit, il y a mon lien vers, enfin, le lien vers ma page Facebook. Vous regardez. Voilà, s'il n'y a pas, c'est que c'est plus disponible. Dans ce cas-là, bah, c'est compliqué. Faites comme moi, j'ai envie de dire. Essayez de chercher. Moi, c'est ce que je fais 95% du temps, même 99 à peu près. C'est très rare quand je vais chercher un produit via un lien. En fait, c'est ça le truc, c'est que je cherche toujours moi-même. Je sais pas, c'est comme ça. Mais bref, petite parenthèse fermée. Regardez quand même, j'essaie de suivre maintenant. Ici, bah, suite à cette vidéo, je vais m'amuser à tout faire. Mais voilà, s'il y a du retard, ok. Mais regardez d'abord parce que je mets tout sur Facebook. Voilà. Je vais commencer par un petit gadget, on va dire. C'est une prise avec deux entrées USB. En fait, ça fait un guise de chargeur comme votre chargeur de téléphone, etc., etc. Pardon, que vous mettez dans la prise murale. Moi, je voulais en avoir un. Non, ça vient pas du même vendeur que j'avais acheté le premier il y a déjà plusieurs mois. Je crois que ça vient d'un autre. Bref, ça, je mettrai le lien, sauf si ça a disparu. En attendant, je crois qu'il y a quand même le lien de mon premier. Après, voilà, si je rachète plusieurs fois le même produit. Je ne vais pas mettre 50 fois le lien non plus, donc essayez de voir, voilà, dans tout mon dossier, c'est pour ça que c'est plus simple. Donc ça me sert de chargeur pour quand je ne branche pas mon tablette ou quoi, etc. Au PC pour le charger, par exemple la nuit, eh ben, hop, je branche ça fonctionne très bien, ça m'a coûté à peine 2 euros, il me semble. Ensuite, un bref, oui, presque, mais quand même pas, un collier. Il se présente comme ça. En fait, il est censé avoir donc toutes les perles qui tombent un peu dans le décolleté. Je trouvais ça très joli malgré que l'armature, j'ai envie de dire. Enfin, le collier en soi soit à couleur or. Mais bon, c'est pas trop grave. Le problème, en fait, c'est que je ne l'ai pas vu aussi petit. Ça fait style un rat de cou, mais il tient fort au cou. Et je trouve pas ça beau du coup. Donc je sais pas ce que je vais faire, essayer de le rallonger un tout petit peu vu que j'ai toujours les cheveux qui pendent. Ça se verra pas trop, mais ou alors essayer de prendre toutes les breloques et de les mettre sur un autre collier. Donc ça, je suis juste un tout petit peu déçue, mais sinon je l'ai reçu sans casse, sans rien. Il coûtait un petit peu moins de 3 euros. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ça. Il y a des petits trucs de sport, etc. Et moi j'ai trouvé. Non, ce n'est pas un bandeau super joli pour faire. Je crois que c'était comme la pub 118, 218, non, pas du tout. En fait, c'est j'ai toujours un problème, une élastique, un élastique. Bref, on s'en fiche, on va pas lancer un débat. Un élastique comme ça pour, en fait, sur le dessin, sur le modèle. C'était pour les jambes, donc la meuf, elle est à quatre pattes. Et donc, il y en a une qui est coincée à sa jambe, qui reste à terre, et l'autre jambe qui se lève, comme pour faire des squats ou je sais pas quoi, non? En fait, bref, pour muscler ton cucu. Et donc, ça crée une résistance. Bon, j'ai quand même un petit peu peur de faire de trop grands mouvements parce que c'est quand même assez grand. Enfin, assez serrant, pardon. Bref, on verra bien. Ça m'a coûté 37 centimes. Donc, même si ça casse, bon, bah, c'est pas énorme. Mais ça me permettra de savoir que c'est pas la longueur qu'il faut. Voilà. J'ai pris aussi. Ça, c'est vraiment un gadget. Mais bon, je me dis que ça peut décorer un petit peu. J'aimerais bien me faire un peu plus souvent ce qu'on appelle. Les bento box, donc c'est les boîtes à lunch quoi, sauf que en Asie on appelle ça les bento, donc. Et il y a souvent des petits pics, bon, ça fait beaucoup de bruit, ça se voit pas trop. C'est des petits pics avec un petit flamant rose, voilà, hein, rose avec un flamant rose, dans lequel généralement on s'en sert, bah, si vous faites par exemple des wraps,
Souvent, on pique pour le nid ou des mini brochettes, voilà. J'ai trouvé ça, ça m'a coûté 70 centimes, je crois. Comme ça, il y en a à peu près 100, il me semble. Je sais pas, il est pas mis. Bref, c'est vraiment gadget. Je pense que je peux peut-être réutiliser une fois, puis ben, on verra. Ensuite, j'ai commandé deux, enfin, normalement un pot, mais j'en ai reçu deux. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que le premier ici, enfin, il y en a un, le couvercle est fissuré. Bon, évidemment, ça n'a pas l'air. Laisse tomber. Ils sont en plastoc tout petits, comme ça, c'est des contenants vides. Est-ce que c'est parce qu'il était cassé et qu'il s'est dit, mais je sais pas, je vais lui foutre quand même, mais j'en mets un deuxième. J'en sais rien, j'en ai rien demandé qu'un. Mais c'est plastique. À la base, j'avais commandé ça pour mettre le liquide activateur pour faire les ongles en acrylique. Et puis, je suis tombée sur un autre, qui évidemment, quand j'ai vidé le sac, j'ai perdu la moitié. Ah, bah oui, c'est plus facile. Voilà, hein, démerde-toi, galère, tu trouveras pas. Bref, on s'en bat. Ah, voilà. Et en plus, je le perds. J'avais vu. Ça date. Enfin, ça date. C'est une que moi j'ai vue dans les premières vidéos que j'ai découvertes de Ayo Coralie, où elle montre comme ça, ben voilà, comment elle fait ses ongles, elle, de manière toute simple, voilà, non professionnelle. Enfin, elle n'est pas professionnelle, mais voilà. Elle le montre et en fait, il me semble que son liquide, donc le produit activateur enfin, de cette poudre pour faire l'acrylique, c'était dans un petit pot comme ça qu'elle avait dit qu'elle avait trouvé sur AliExpress. Donc ça, c'est un petit pot en verre. Et au final, j'ai été chercher celui-ci. J'ai cherché un petit peu parce que les autres, ils coûtaient près de 5 euros. Donc je me suis dit que ça coûtait un peu cher. C'est pour ça que j'ai pris sans plastique. J'ai trouvé celui-ci à moins de 2 euros en promo et je l'ai pris parce que je me suis quand même rendu compte que le produit qui active le truc acrylique, comme je ne suis pas professionnelle non plus, ça te bouffe ton plastoc. Alors que c'est un contenant en plastique, mais ça doit pas être la même chose. Donc, bah, j'étais obligée de toute façon de trouver un truc en verre et j'ai trouvé celui-ci et c'est vraiment trop mignon, même pour décorer. C'est trop choupinou. Voilà. J'ai pris des boucles d'oreilles. J'en ai recommandé d'autres de ce modèle-là parce qu'au final, j'aime bien. Elles sont grosses, c'est vrai, mais elles sont super légères. Je ne les sens pas. C'est celle-ci. Donc de loin, j'ai l'impression que ça ressort blanc, normal partout, je ne sais pas. Problème quand même, j'ai fait de mon nez parce que voilà, c'était absolument pas comme ça sur la photo. Donc voilà, si j'avais vu sur la photo que j'avais commandé, j'aurais fermé ma gueule. Le truc, c'est que, je sais pas si ça se voit bien, les pompons sont blancs, un peu cassés, un peu crème. C'est pas blanc comme celui-ci, c'est blanc, blanc de blanc, voilà, c'est blanc immaculé. Et donc au final, ça fait pas joli, c'est pas la même couleur, c'est pas beau. Et donc bah forcément, je l'ai fait savoir au vendeur. Je crois que celle-là, j'avais même pas fait de litige pour ça. Comme quoi, je me suis dit, bah, tant pis, mais je lui ai mis de mauvaises notes. Je me suis dit, c'est vraiment dommage. Donc j'en ai recommandé trois autres paires, plus des blanches, parce que j'ai l'impression qu'elles sont toutes pareilles. Donc je prends pas le risque. Mais bon, elles étaient à moins d'un euro, c'est pas trop grave, mais c'est quand même embêtant. Voilà. J'ai recommandé des bracelets. J'en ai recommandé un comme ça et un rouge aussi chez le même vendeur, que j'aime beaucoup. C'est des longs comme ça, donc qui se portent en double en fait. Hein, on fait un double tour au poignet, voilà. Et ils m'ont coûté moins d'un euro la pièce. J'aime beaucoup ces bracelets-là, c'est simple. Je trouve que ça va avec tout, voilà. Il n'y a pas de prise de tête. J'ai commandé ensuite deux petits produits. Il y en a un que j'ai dit que j'étais déçue, même si c'était joli. Bon, j'ai pas fait de litige. Parce que voilà, c'est sympa, mais c'était absolument pas ce que je voulais. Ce sont des paillettes. Voilà. Et c'est la référence 28. Ouais, 28 parce que l'autre à côté c'est 12. En fait, sur l'image, ça faisait une espèce de violet très très clair. Je sais pas comment ça s'appelle comme type de couleur dans les paillettes. Ça faisait un peu style cristal à reflets violets, mais vraiment clair. Et en fait, je me suis retrouvée avec ça. Des paillettes mauves encore. Je crois qu'elles ressortent un peu bleu, mauve avec des reflets. Alors, c'est très joli. Oui, je les utiliserai. Mais c'est pas ce que j'avais sélectionné à la base sur les photos. Et même dans les autres produits qu'ils proposaient là, parce qu'il y en avait plusieurs, il n'y avait pas cette teinte-là. Donc, je sais pas d'où elle est sortie. Mais voilà, le tout m'a coûté un tout petit peu plus ou moins que 3 euros, je ne sais plus. C'est pas très cher, donc c'est pas grave. Mais bon,
C'est dommage. Ensuite, un eyeshadow. J'en ai déjà présenté un, je crois, dans l'autre vidéo. En liquide, en fait. C'est un noir, un gris, un petit. Enfin, c'est les paillettes qui sont grises, donc ça le rend gris. Pour, voilà, tester un petit peu. Voilà, je l'ouvre pas maintenant parce que ça sert à rien, malheureusement. J'essaierai de trouver d'autres trucs. Pour. Ouais, tout en anglais. Pour tester les petits maquillages parce que je n'aime pas trop les. Oui, eyeliner, eyeshadow, metal color eyeliner, ouais, avec l'embout gloss, donc je sais pas comment tu fais ton liner, mais bref. Eyeshadow. C'est pour tester en liquide comme ça parce que je n'utilise absolument pas, j'aime pas trop. Donc, histoire de tester, c'est très bien à moins de 2 euros quoi. Ensuite, j'ai recommandé, ça je vais en recommander une fois aussi, comme ça fait du stock vu le temps que ça m'est arrivé. Des brosses à dents en bambou. Donc des brosses à dents peut-être pas forcément recyclables, mais biodégradables, je ne sais pas. Parce que les brosses à dents en plastoc, eh ben à ce que j'ai entendu, tout n'est pas forcément vrai, mais ça ne m'étonnerait pas. C'est que bah, elles finissent dans la mer. On n'en fait rien. Et comme il faut quand même bien se brosser les dents, bah voilà, j'ai entendu parler de ça. Et donc c'est pas la première fois que je les achète. Ici, c'était un paquet de 4. D'habitude, c'était par une. Là, j'ai trouvé à 4 à moins de 2 euros. Donc, voilà. C'est toujours. Enfin, toujours, oui, c'est pratique la brosse à dents qu'on a besoin. Mais je veux dire, c'est sympa d'avoir trouvé en moins cher. J'ai racheté aussi. Voilà, deuxième pot, j'avais déjà montré. C'est la poudre, donc justement, qu'on active avec l'activateur. Et une fois activé. Tu peux modeler, voilà, c'est la poudre donc polymère, voilà, professionnel acrylique système, bon, professionnel, je ne sais pas. 30 grammes chaque. Moi, j'ai pris le clear, donc transparent, tout simple, comme ça, je me casse pas le fion. Et je mets la couleur que je veux au-dessus après, c'est plus simple. Donc, deux pots de nouveau, et c'était encore en promo, je crois. Donc, j'ai payé à peu près un peu plus d'un euro chaque. Donc, en promo, c'est génial. Ensuite, j'ai pris. Je sais pas réellement si je vais en avoir une utilité ou pas, on verra bien. C'est un espèce de petit goupillon, j'ai envie de dire, pour les oreilles, avec une lumière pour tenter de voir un petit peu éventuellement. Voilà, c'est vraiment gadget, c'était moins de 70 centimes, je crois. Je verrai bien, voilà, j'achète des trucs un petit peu parfois, what the fuck, mais voilà, on sait jamais. J'ai repris des pinceaux sirènes. C'est pas de ma faute. Il était en promo à moins de 2 euros le kit et j'en ai 6. Voilà. Je me dis, oui, c'est oui, j'ai tout des pinceaux comme ça. Mon pot est rempli. Il y en a un qui est un tout carré qu'on dirait presque un pinceau pour peindre, sauf que j'ai en miniature comparé au pinceau pour les murs. Voilà, ça fait partie de petits achats où tu le reçois, tu dis un peu merde quoi. Sauf que c'est sympa pour faire des photos, j'avais déjà fait pour décorer, c'est sympa. Et puis bon, bah, ils me serviront quand même, c'est pas ça, à moins de 2 euros. Je me suis pas ruinée non plus, alors qu'il y a des kits comme ça, même sur AliExpress, qui coûtent quand même plus cher. Donc. Voilà. J'ai acheté une chaîne qui disent être en acier. Ça a l'air, elle ressemble à. Enfin, au regard, j'ai envie de dire, et même les mailles. Elle ressemble à la mienne, qui est une chaîne en acier. Elle m'a coûté moins de 2 euros et elle fait 40, non pas 45, 55. Je sais plus. C'est une plus longue en fait pour qu'elle descende un peu plus pour faire en superposé. Voilà, chez ce vendeur, c'était très bien envoyé, hein, mais il y avait plein de tailles et plein de dimensions. Ça me semble que c'était le 3, non, dimension 3 mm. C'est possible. Je crois que c'est la même chose que moi. Voilà, quand on la regarde, ben, elle a l'air d'être réellement en acier. Si c'est le cas, c'est une top affaire. Si c'est pas le cas, ça fera ce que ça fera. J'ai repris un autre petit collier. Vas-y, viens. Voilà, c'est toujours compliqué. Hop. Celui-ci m'a coûté moins de 2 euros. Et il était en promo, oui, mais voilà. Je me suis dit, pour ce que j'en mets des colliers comme ça, c'est vrai que du coup, je préfère les payer presque rien. En fait, ah, il y en a qui sont coincés. Allez. Bon, bref. On a compris le principe. C'est un, donc justement un peu plus long, qui retombe un petit peu dans le décolleté et sur le mannequin.
Je crois que c'était même pas porté par une femme. C'était vraiment juste sur un porte, collier. Mais je trouvais ça quand même super joli. Il m'a coûté 1,55€, je crois. Donc franchement, il fera ce qu'il fera, mais c'est vraiment pas cher. Quand on sait que les boutiques de bijoux fantasy comme ça coûte bien plus cher. Je préfère le payer presque rien. J'ai acheté aussi, par contre, ça je pensais pas que c'était aussi petit. C'est vrai que pour le prix, je me doutais bien que c'était pas très gros, mais à ce point-là, en fait, ce sont des mini diamants. Et moi, j'avais acheté ça pour m'en servir, pour faire des photos, voilà, pour Instagram, etc., pour faire joli. Mais ça, c'est vraiment tout, tout petit et je verrai bien ce que je peux en faire. Toujours moyen de trouver. J'avais commandé aussi 1, 2, 4, 5 paires de fossiles, des demi. Voilà, à moins de 2 euros. Voilà, on verra ce que ça donne. Hein. Moi, c'est toujours pour m'entraîner un petit peu parce que j'en mets pas souvent. De toute façon, donc en même temps, pour le prix, le jour où je serai tip-top douée dans les fossiles, j'en achèterai des plus chers que je pourrais garder plus longtemps. J'ai recommandé une fois. Après, je vais regarder parce qu'il me semble que j'ai vu en pot où il y en a beaucoup plus. C'est plus cher aussi, mais c'est des espèces de patchs en silicone comme ça pour les yeux. Alors, personnellement, à moins qu'il faut l'utiliser ça vraiment longtemps, je ne suis pas forcément convaincue de leur efficacité. Ce que j'adore par contre avec ça, c'est que je les mets au frigo. Donc c'est super frais. Et quand j'ai envie le matin ou quoi, je mets juste là. Ben, ça fait un effet. C'est frais, ça me fait du bien. Donc voilà, ça m'a coûté moins de 2 euros pour les 5 paires. Par contre, je crois qu'il y a des boîtes, un petit peu comme le pot de poudre que je vous ai montré. Où là, bah, ils sont, on va dire, enfin la pièce dedans, ils sont pas emballés individuellement. Et donc ça vous fait plus longtemps, parce que je crois que c'est entre 20 et 40 par boîte. Non, 20, non. Si, enfin si, 20 pour 20 fois, pas 20 pièces divisées en deux, non. Et j'ai trouvé ceci aussi, c'était juste pour voir, parce que la couleur était différente. Le jaune et le vert. Green Monk Bean et Golden Osmanthus, je ne sais pas. Et ceux-ci, ils m'ont coûté 50 centimes pour les deux. Voilà. Je crois qu'il y en avait un à 24 et un à 26 centimes. Voilà. Hop. J'en ai pris un ici. J'en ai vraiment pas besoin parce que j'en ai plusieurs. Mais j'adore cette odeur. Et dans le commerce, bah, je tombe. Enfin, je cherche pas forcément exprès, mais je tombe pas dessus non plus. C'est un masque nourrissant au citron. Voilà. Et comme j'adore cette odeur. C'est un masque en tissu, apparemment il montre à l'arrière. Voilà, je l'ai pris, il m'a coûté une soixantaine de centimes. On verra bien. On verra bien. J'ai acheté, alors ça, c'est un truc de dingue. Ça s'appelle, enfin ça s'appelle. Oui, ce sont des. Mais qu'est-ce que c'est? Des bougies d'oreilles. Des bougies d'oreilles, qu'est-ce qu'elles nous racontent? Je suis une personne qui surfe sur des trucs ASMR, sur faire des vidéos ASMR, vidéos massage, etc. Et j'ai déjà vu plusieurs fois. Oui, je pense que ça s'appelle bougie d'oreille. En tout cas, c'est comme ça que j'ai cherché sur AliExpress. Ce sont des bougies où il y a une espèce de petite ligne ici. Voilà. On la met dans l'oreille. Un petit peu, pas trop loin, hein. C'est comme si tu te mets des boules quies, hein. Tu les enfonces pas jusque toucher ton tympan, bien sûr. On allume la mèche, on attend, en tout cas, moi je me suis dit que c'était là où il fallait s'arrêter parce qu'après ça commence à devenir chaud. Tu laisses brûler tout le truc, fais-toi accompagner parce que, à mon avis, tu risques pas de pouvoir le voir. Après, vu que c'est mis enroulé comme une bandelette autour de quelque chose, tu déroules le truc. Et là, tu découvres l'horreur. Tu découvres que malgré que tu as nettoyé tes oreilles, il y a du caca d'oreille qui remonte. Alors, c'est pas désagréable du tout à faire. Je l'ai fait moi, mon mari, et on l'a fait au petit. Tu entends la flamme, tu entends le truc se consumer dans ton oreille. Et en fait, ça fait un espèce de succion. Alors, l'image est pas très jolie, mais c'est comme les ventouses pour les toilettes. Quand tu appuies là pour déboucher, mais en fait apparemment ça fait le même principe, sauf que tu ne sens pas, tu n'as pas ce geste-là dans l'oreille. Et toute la crasse, j'ai envie de dire, qui est un peu plus loin, eh ben, ça remonte. Parce que moi j'en avais aussi alors que j'avais lavé mes oreilles le matin, quoi. Je me suis dit, merde en fait, tu crois que tes oreilles sont faites, mais non. Donc franchement, c'est un truc, mais c'est génial, j'en ai recommandé d'ailleurs. Voilà.
J'ai pris un gros collier avec écrit boss. Ah ouais. Ça m'a fait rire. Il m'a coûté moins de 3 euros, je crois, à peu près. Parce qu'il est en promo. Je me suis dit, ça peut encore être sympa. Hein. Ça, je pourrais encore bien. Des gens pourraient encore tiquer, genre. Moi, j'aime bien faire ça. Ça me fait rire que les gens ils regardent bizarre. Étant donné que je le parais un petit peu en vidéo, parce que j'essaie toujours d'être assez soft. Mais je suis quand même très loin d'être madame tout le monde. Donc j'aime bien avoir un petit détail, un petit truc différent. Et je trouve ça super sympa. Ensuite, j'arrive presque à la fin. J'ai plus de 3 trucs à montrer. J'ai pris des boucles d'oreilles. Donc des anneaux comme ça. Avec, évidemment, si je sors tout. Oh, grosse nouille. Avec une tige qui se place ici. En fait, bon, il y a le papillon, mais ça, on s'en fout. Pour que ça donne ça, en fait. Voilà. Truc tout bête qui m'a coûté moins d'un euro. Mais je trouvais sympa comme petit détail, en fait. Au lieu d'avoir des anneaux tout simples, ben, un anneau avec une petite barre, comme ça. Allez, why not? Essayons, testons. Hein. Bon. J'ai acheté dans les pinceaux, mais ça, c'était plutôt pinceau peinture. Pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'en fait j'ai vu Marion Caméléon, il me semble, que je suis sur, non même pas sur Instagram, sur, si sur Instagram et sur YouTube, se servir mais d'un truc mais mini, c'est limite, on dirait des pinceaux pour des maquettes, pour faire des maquettes. Se servir un truc très très fin pour venir faire une petite ligne en fait de la démarcation entre la paupière mobile et la paupière fixe. Je me suis dit, c'est le genre de pinceau qui me manque. J'ai cherché sur AliExpress, j'en ai trouvé un paquet de 10, mais qui se retrouvait plutôt dans les trucs artistiques. Mais bref, un paquet de 10 pour 80 centimes. On verra ce que ça vaut hein, avant d'en acheter un peut-être un peu plus cher pour tester. Je me suis dit, ça peut être bien pour des trucs très très précis. J'ai acheté un rouge à lèvres. Alors je ne sais pas, en tout cas pour le logo, oui, mais le modèle de rouge à lèvres, j'en sais rien. J'ai l'impression que c'est une imitation, parce qu'il n'est pas indiqué le nom, une imitation d'Urban Decay, parce qu'il est écrit Urban Fox. Et je trouve que l'écriture est assez similaire à, comment dire, à Urban Decay. Après, j'ai rien de cette marque-là, non, bah non. Donc, je peux pas dire si le rouge à lèvres, d'ailleurs, je vais montrer un peu plus, est une imitation ou pas. J'en sais rien, j'ai eu envie de le prendre. D'ailleurs, il est même écrit dessus. Bah, il sent pas dégueu, il sent pas grand-chose. Voilà, une couleur bien différente pour tester. Je le trouvais joli en packaging. Donc, je pense que même, voilà, pour décorer ou quoi, c'est girl to girl. Voilà. On verra bien, il m'a coûté 2 euros. Je trouvais le packaging joli, franchement, même, voilà, c'est sympa. Je vais pas m'éterniser, j'ai pas d'excuses, ça m'a plu, donc voilà. Et pour terminer, mais là, je crois que ça va vraiment pas le faire, j'avais envie de changer un petit peu de modèle de lunettes, parce que j'ai des aviators, je porte des comme ça, enfin même des fausses, mais je veux dire, depuis très longtemps, enfin des fausses, des sans marque, mais modèle aviator. J'avais envie de changer un petit peu. Je dis, allez, je vois toujours des gonzesses. Donc plein de lunettes de soleil, machin. Tout t'as qu'une paire. Enfin, même modèle. Je suis tombée sur ça, sur AliExpress. Moins de 2 euros. Hein, c'est même pas des diamants. Enfin, des diamants. Des faux, mais... C'est inséré dedans et c'est peint. Bref. Et j'ai voulu prendre. Mais en fait, je trouve que quand même... Voilà, quoi. J'ai une grosse tronche, mais ça parvient à me prendre la moitié de ma gueule, quoi. Donc, voilà, c'est... Ça passe pas avec monsieur, ça passe pas avec le petit, et moi c'est très 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 mitigé. Donc à la limite, je sais pas, dites-moi si franchement ça peut le faire ou no way quoi. Voilà, moi je sais pas, je suis vraiment mitigée, donc voilà. Comme mon mari et mon fils n'aiment pas, bah, c'est compliqué d'aller contre. Enfin, c'est compliqué d'aller contre, c'est compliqué d'avoir un avis genre non, mais ça va encore, vu que eux c'est catégorique. Donc bon, voilà, on verra bien. On va s'arrêter là, parce qu'après justement je dois aller bosser pour vous mettre tous les petits liens. Et c'est pas rien. Oh, je fais de belles rimes. Donc voilà, je vais vous laisser. En plus j'ai l'impression que le blush, ça flash, c'est pas grave, je me suis complètement ratée aujourd'hui. Mais on s'en fout, hein, je suis pas...
millionnaire d'abonnés YouTube, donc ma tronche, elle est comme, bah, comme elle est. Je me suis loupée, je pense. Ça faisait super longtemps que ça m'était plus arrivé, mais enfin bon, voilà, c'est la vie, hein, pas le paradis. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir!